Manu et Alex interrogent Romanit Manon pour savoir ce que Karel faisait à l'enterrement du veilleur de nuit. Alice commence à avoir des doutes sur sa fille et se demande si elle ne lui aurait pas caché des choses sur cette nuit où le vigile est mort. Mais un nouveau témoignage oriente la police vers Henrik. En interrogatoire, son attitude, peu convaincante, incite les enquêteurs à le croire coupable. Florent, son avocat, cherche à comprendre les raisons qui l'empêchent de se battre. Jo tente de raisonner son frère. Manon culpabilise et incite Roman à dire la vérité à la police. Celle-ci ne partage pas son sens de la justice. Elliot, prêt à tout pour Amy, décide de rentrer à Paris sous prétexte que son stage ne l'intéresse pas. Mais Elliot, qui a piraté son ordinateur, apprend qu'en réalité elle préfère repartir parce qu'elle craint de succomber à ses avances. Il manigance pour la faire rester à Montpellier. Antoine, le petit ami de Mi, arrive par surprise. Pendant ce temps, Virgile et Ève ont repris le cours de leur histoire. Les parents d'Antonin mettent la pression à Monsieur Soriano pour qu'il finisse les travaux de leur escape game rapidement. Love just happened.